What's up people, how you doing? Je suis très très content de faire cette vidéo avec vous. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Je viens de recevoir, voici le Samsung, donc le ultra wide, donc de 49 pouces, donc le C49HG90D. Je vous le mets ici, je sais que ça va être compliqué. Donc voici avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et en 32/9. On va le déballer ensemble et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a dans le ventre. C'est parti. Voici donc tout d'abord, j'espère que vous voyez bien. Donc on va ouvrir juste ici. Voilà, je vais sur le côté. Voilà. Ah, mauvais sens. Voici. Voici. Donc ce qu'on a direct, donc la petite boîte juste ici, donc avec tous les câbles. Tous les câbles, tout ce qui est HDMI, display, USB, mini display, tout ça, le câble d'alimentation aussi. Le petit outil donc qui va permettre de le fixer donc au mur. On va mettre ça là. On a le pied. Putain, il est énorme. Alors, il faut savoir que il a une profondeur donc de 30 cm. Donc il faut quand même prévoir il faut quand même prévoir un bureau assez volumineux. Et c'est vraiment énorme. Ça. Donc c'est vraiment un peu du plastique hein. Ouais. Donc ça c'est le pied auquel on va venir fixer et ben, le support hein, qui est quand même assez lourd hein. Donc ce qui est intéressant justement avec ce support, c'est qu'il a un petit câble management. Alors je sais pas encore comment on va l'ouvrir. Je sais qu'il y a la possibilité de pouvoir faire passer le câble ici et le faire ressortir ici, histoire que ce soit un petit peu plus propre. Et ici aussi, vous avez le support pour le casque. Ici, vous avez, voici la petite fixation donc, qui se met à l'arrière, justement pour que ça soit un petit peu plus joli. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'on voit un petit peu le squelette de l'écran. Et là, voilà, c'est pour un petit peu cacher la partie, pour que ça soit un petit peu plus esthétique. Ici, le cache. Donc le cache qui va permettre de dissimuler donc, les branchements hein, des câbles sur le moniteur. Pour que ce soit voilà encore une fois un petit peu plus esthétique. Ouais, c'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Alors par contre là, il faudra que je le retourne parce que je vais le fixer à l'envers. Voici. Donc vous prenez ça, vous avez déjà des vis préalablement installées que vous n'avez plus qu'à fixer. Enfin qu'à visser plutôt. Vous le postez juste dans une petite encoche juste ici, pour que c'est stable. Vous vissez. Visser pour que ça soit stable, mais pas trop, histoire de ne pas foirer le roulement de la vis. Après, vous prenez le pied, donc il y a déjà des vis intégrées que vous allez juste mettre ici et puis visser. Une fois que ces étapes sont faites, donc on va mettre le cache. Ok, toi tu te barres, je sais pas où tu vas mais tu vas loin. Voilà, j'ai juste le temps que ça soit posé. Oh putain c'est lourd. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer.
Donc comme je le disais, le cab management, donc il suffit juste de pousser vers le haut et là vous avez le cab management. Voici. Ici vous avez tous les câbles, donc le port HDMI, le display port, le mini display port, l'USB, le mini USB, le câble d'alimentation. Donc avec cet écran de chez Samsung, donc bien sûr l'ultra wide, j'en profite aussi pour vous faire découvrir un petit peu donc mon setup en 2020. Voici. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre comme je l'ai dit. Pour commencer, vous avez tout simplement la technologie PBB, donc Picture by Pictures, qui permet de pouvoir reconnaître chaque source qui est bien sûr branchée sur le moniteur et les afficher en même temps. Par exemple, là j'ai le MacBook et la PlayStation 4, donc bien sûr un petit clin d'œil pour la PlayStation 5 que j'attends, qui sont branchés en même temps sur le moniteur. Donc en activant la fonction PBB, je pourrais avoir mes deux écrans, donc mon ordinateur et la console en même temps qui jouent sur l'écran. Je pourrais aussi choisir la dimension donc de chaque écran si je veux du 16/9 et de l'autre côté, je sais pas, on va dire si je veux du 21/9 ou autre, je peux choisir. Pour ce qui est des jeux, vous avez la technologie FreeSync. Donc la technologie FreeSync, bien sûr, il faut une carte adaptée à la technologie FreeSync pour que ça fonctionne. Elle fonctionne surtout lorsque le jeu est en plein écran. On peut bien sûr l'activer lorsque le jeu est en plein écran. Si c'est en écran partagé, ça va être un petit peu compliqué. Bien sûr, lorsque vous branchez, que ce soit un ordinateur ou une console, il faudra vous munir soit d'un casque. Donc vous avez vu, il y a la petite encoche derrière pour poser le casque. Soit d'un casque, soit de haut-parleurs, de speakers, parce qu'il n'est pas fourni, il n'y a pas d'haut-parleurs, il n'y a pas de sortie stéréo sur le moniteur. Donc munissez-vous d'haut-parleurs ou d'un casque pour pouvoir entendre. Et aussi, lorsque vous branchez plusieurs sources et que vous activez le mode PBB, il est important que vous dirigez le son. C'est-à-dire, si le son, vous avez mis votre console et ça ne joue pas, c'est normal. C'est parce qu'il est dirigé, par exemple, vers votre ordinateur. Vous avez la petite mallette donc, sur le bouton marche-arrêt qui vous permet de pouvoir diriger le son, savoir qu'est-ce que vous voulez faire jouer. Ce sera tout pour moi pour cette vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner si tu as aimé. J'essaie toujours de faire au mieux pour plaire à mes subscribers. Et voilà, donc en attendant, porte-toi bien, en attendant la prochaine vidéo bien sûr, porte-toi bien. Et n'oublie pas de t'abonner comme je l'ai dit, ou sinon tu appuies juste sur ma petite tête en bas à droite de l'écran. Salut !